modèle. Vous pourrez broder de la laine de 8 mm à 10 mm maximum. Nous vous conseillons de la toile type toile de jute ou bien toile Aïda en 5-5 pour broder avec le punch needle. Grâce à l'aiguille ajustable, vous pourrez créer des boucles de tailles différentes. Suivant l'effet souhaité, vous pourrez broder à plat ou bien broder de façon bouclée. Voici comment enfiler l'aiguille ajustable. Pas besoin de nœuds, commencez simplement à piquer votre motif. Espacez les points d'un centimètre sans trop relever la mine. Nous arrivons à la fin de notre ouvrage. Une fois arrivé au dernier point, retournez votre ouvrage. Ici, vous pourrez couper votre fil. Une fois notre ouvrage terminé, vous pourrez vous en servir pour faire un objet de décoration au mur. Pour cela, repliez simplement l'envers et collez une percale thermocollante sur l'envers.